a commencé il y a 6 ans. Monsieur Piron, notre professeur de philosophie, nous avait donné comme sujet « Quel record aimeriez-vous battre ?» Sûrement pour faire rire mes amis ou pour montrer ma motivation grandissante à l'égard de cette matière, je me suis lancé dans une explication destinée à montrer que, pour moi, le plus beau record serait de battre celui de Jeanne Calment et devenir le doyen de l'humanité. Mais au fur et à mesure de ma dissertation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de comique à vouloir relever un tel défi. C'est excellent d'être vieux. Vous vous rendez compte qu'elle a vécu 122 ans ? Parce qu'on en fait des choses en 122 ans. Moi, ça me... Il y a un truc là, c'est pas possible. Dire que c'est si simple. Tout est dans le mouvement. Plus j'optimise mes gestes et plus je préserve mon corps. Donc, si je veux vivre plus vieux, il va me falloir m'imposer des limites de mouvement journalières. Comme ça, j'éviterai les gâchis. Mais Monsieur Piron n'a pas vraiment aimé mon concept. Je pense qu'il était jaloux, parce que il a dû comprendre que j'allais vivre bien plus longtemps que lui. Tout a commencé à ce moment-là. Je suis passé de l'idée au concept, et du concept à la pratique. De toute façon, je serai le plus vieux. Merci. Tous ces mouvements gâchés, moi ça me dépasse. Je ne pense pas qu'il faille verser délicatement son sucre dans la tasse, remuer lentement son café pour qu'il refroidisse, ou encore le boire à la cuillère. C'est pas une façon de boire son café, moi je vous le dis. À force de faire les malins et de gaspiller leurs mouvements, faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Allez hop, au sport. Ce que j'aime sur mon blog, c'est de pouvoir donner des conseils sur l'optimisation des mouvements. Le tout, c'est de ne pas dépasser son quota journalier. Maintenant, je ne réfléchis plus à ce que je vais faire. Mon corps a pris le relais, c'est devenu automatique. Thank you.
freedom. Freedom made a man to invade. Make me